6, 5, 4, 3. Salut les terriens. Salut les terriens. Bienvenue dans votre talk du samedi soir. Bonsoir. Premier terrien invité ce soir, celui qui ne veut pas dire qu'il fume du shit, mais qui vient dans cette émission dès qu'il en a plus, Daniel Auteuil. Autre terrienne invitée ce soir, Madame la Comtesse de la Tour du Pin, Chambly de la Charse. Vous savez, Pascal, rien qu'en prononçant votre nom, Stéphane Bern a 3 orgasmes à chaque fois. Et Younes et Bambi. Younes et Bambi, les humoristes qui font le buzz. Un juif, un arabe, un duo explosif. En P3, après le Zappi et Stéphane Dion, nous accueillerons notre terrien du samedi 20h. Ce soir, une surprise pour vous, Daniel. Je ne vous en dis pas plus. Voilà, l'émission s'appelle « Salut les terriens » et le groupe « Les Gréements de Fortune ». Et maintenant, j'accueille mon stagiaire, Tom Villa. Ah oui. T'as piqué le sampleur de Daniel, là. Bah oui. T'as pas honte. Mais non, j'ai pas honte, Tina Turner, c'est très bien. Mais non, mais on lui mettra le gambadou, et puis voilà, c'est très bien. Petit débrief de l'émission de la semaine dernière, ouais, sur les réseaux sociaux. Les gens trouvent que vous avez encore fait du Hollande bashing. Aïe. Thierry, je vous avais dit. Bah j'essaie, j'y arrive pas. On va, écoutez, je vous ai fait une fiche pour essayer de dire du bien de François Hollande. D'accord, voilà. Merci. On va essayer, on va faire un truc. Merci. Il est gentil et il mange bien à la cantine. Non, 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 c'est le... C'est non, pas non, le bon. Non, ça c'est pour mon neveu. Pardon, autant pour moi. Il est gentil. Bah voilà, ça c'est bien. Voilà. Là, ça, c'est bien. Quel plateau ce soir, Thierry. Daniel Auteuil. Daniel, l'un de nos plus grands acteurs en France. Alors, bah, à vos débuts, vous avez joué un ado qui passait le bac dans les Sous-Doués, hein, alors que vous aviez 29 ans. Et tout le monde y a cru, voilà. Bon, en même temps, comme j'ai lu que vous aviez redoublé 3 fois votre quatrième, en fait, le bac à 29 ans, c'était pas un film, c'était un documentaire. Ça, c'était le... Alors, on est obligé d'en parler, voilà, on vous avait proposé Bienvenue chez les Ch'tis et Intouchables, et finalement, ça s'est pas fait, 2 films, 40 millions de spectateurs, c'est pas grave, voilà, c'est ballot, mais c'est pas grave. Ils pouvaient pas les faire. Mais non, mais c'est vrai. Ils étaient pas libres. Mais c'est tout le temps, ça, dans le cinéma, regardez, Coluche et Jacques Villeray auraient dû jouer Hugolin, et finalement, ça s'est pas fait. C'est une bonne chose, oui. Mickey Rourke qui avait refusé Le Flic de Beverly Hills, Richard Gere, Piège de Cristal, Passepartout, Game of Thrones, donc ça arrive tout le temps, ça, c'est... Non, mais c'est vrai. Daniel Auteuil, en ce moment, vous mettez en scène et vous jouez dans la pièce L'envers du décor, ouais, où les pensées secrètes des personnages doublent les vrais dialogues. Et ça, je trouve que c'est une excellente idée. Voilà, je vous le dis. De toute façon, même si c'est de la merde, je vais pas lui dire. Non. Vraiment, j'ai adoré la pièce. Vraiment. Je l'ai même pas vue. Marc Thierry non plus, il s'en fout. Hein. Et puis, je trouve que c'est très bien vu. Voilà, votre duo avec Valérie Bonneton fonctionne à merveille. Vraiment. Les petits salauds. De la situation, mais il va le regretter. Je suis m'occuper de lui personnellement. Il va se retrouver à la rue. Bravo. Très bien. Younes et Bambi, l'arabe et le juif. Alors, juste avant de commencer, dites-moi, qui est le juif, qui est le polygame, qui est le... Non, lui, c'est... Moi, je suis l'arabe et moi, c'est le coproducteur. Alors, juste, avant, le spectacle s'appelait L'arabe et le juif, mais vous avez retiré le titre de l'affiche. Moi, j'ai un nouveau titre à vous proposer. Mi-cacher, mi-halal, mais 100% circoncis. Ça, ça peut être... C'est très bien, ça. Pascal de la Tour du Pin. Le meilleur pour la fin. La star de BFM TV, ouais, c'est vrai. Vous faites la matinale, vos rivaux le matin, c'est William Lémergie et les Lapins Crétins. Alors,
Janvier 2015, BFM TV bat son record d'audience à cause des attentats. Voilà, BFM TV, bah, la chaîne qui va bien quand la France va mal. Alors, non, mais moi, ce que j'aime beaucoup sur BFM TV, c'est les témoignages. Parce que quand il y a un drame, on chope toujours celui qui est le plus près de la situation, le voisin. Mmh. Et le voisin, il a toujours la même phrase. Il dit « Oh bah écoutez, je suis extrêmement surpris, vraiment je ne m'y attendais pas du tout. » Alors pour nous, c'était quelqu'un de sympathique, il allait chercher les gamins c'est à l'école, vrai. Il nous disait bonjour le matin. Non mais c'est vrai, en 10 ans de BFM TV, on n'a jamais vu un mec dire « Ah bah putain, enfin, ça fait 3 ans qu'il égorge des chats dans sa cave et il n'y a que vous qui ne l'aviez pas vu. » Non mais c'est vrai. Mesdames et messieurs, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry Ardisson n'a pas voulu vous poser. Pascal Le Latour du Pain. Alors, vous êtes la seconde matinale de télé de France, juste derrière Télématin. C'est comment d'être derrière William Lémergie ? Ridé, non ? Comment tu vas te sortir de ça ? Je m'en sors pas. Je crois, Joker, non, je m'en sors pas. T'as raison. Daniel Auteuil, alors Daniel, pour votre dernier mariage, vous aviez choisi Dev comme témoin. Voilà. C'était pour l'empêcher de chanter à la cérémonie ? Il a chanté, on ne peut pas l'empêcher. On peut pas l'empêcher de chanter, Dev. Younes et Bambi, dans le spectacle, vous dressez un mur imaginaire pour défendre votre territoire de scène. Du coup, c'est comment ? C'est 50-50 ou c'est comme en Palestine, 70-30 ? Non. Thierry, bonne émission. C'était Tom Villa, notre stagiaire, qu'on retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, au théâtre Apollo. Voilà, il triomphe au théâtre, il cartonne au cinéma, il est au top, c'est Daniel Auteuil. Daniel Auteuil, rebonsoir. Rebonsoir. Je suis très heureux de vous recevoir ce soir. Je suis fan de vous. Moi aussi. Ouais. Merci. J'ai merci. Tous vos disques, heureusement il n'y en avait qu'un. Oui, il y en avait deux. Alors Daniel, vous avez l'air très heureux en ce moment. Vous êtes amoureux. Écoutez, vous oui. Vous êtes papa. Oui. Vous êtes l'un des derniers grands acteurs français. Non, mais il y en a plein de jeunes qui arrivent à regarder sur tout cela. Mais dites-moi, Daniel, c'est pas stressant tout ce bonheur ? Écoutez, non, il faut l'apprécier avec lucidité. Ouais. Voilà. Bien. Je le suis. C'est bien. Et j'en profite. Un homme lucide et raisonnable. Alors, la dernière fois que vous êtes venu ici, c'était pour le film Entre amis d'Olivier Barou. Votre personnage sortait avec une femme beaucoup plus jeune que lui. Voilà, aujourd'hui, dans la pièce qui vous amène l'envers du décor de Florian Zeller, c'est votre meilleur ami qui sort avec une femme beaucoup plus jeune que lui. Vous n'avez pas marre qu'on utilise votre vie privée pour trouver l'inspiration, Daniel ? Non, non, ça m'aide, si vous voulez, comme ça. J'ai pas à forcer le caractère. Sûr. Je suis toujours juste. C'est un de mes secrets, quoi, c'est ça. Vous êtes dedans, hein. Voilà. Ouais, c'est sûr. Alors, la pièce, donc, elle triomphe actuellement au Théâtre de Paris. Ça s'appelle L'Envers du décor. Donc, vous êtes marié avec Valérie Bonneton. Et un soir, vous invitez l'un de vos amis, François-Éric Gendron, qui vient de quitter sa femme pour une plus jeune, qui est interprétée par Pauline Lefebvre. Résultat, rien ne se passe comme prévu. Ça part en vrille. Voilà, c'est un dîner pathétique qui va se passer. Moi, je vais tout de suite projeter sur cette belle fille et m'imaginer que je pars avec elle au Mexique, que chacun de ses regards, c'est une provocation de sa part. Alors justement, il y a des monologues en plus des dialogues, des apartés en fait. Ouais. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que la pièce met en scène deux niveaux de langage, le langage parlé, courant, et la pensée. Ce qui est marrant, c'est qu'au bout d'un moment, la pensée et la parole normale se mélangent, et les gens sont au spectacle tout le temps. Ils comprennent très vite le principe. À partir du moment où on dit des horreurs, ils savent qu'on est dans la pensée, parce qu'on est bien élevé encore. Quand Pauline Lefebvre arrive, votre femme, Bonneton, dit « Je suis sûr que c'est une pute, et ça part maintenant ». Ouais. Et vous dites, mais de quelle couleur est sa chatte ? Non, je ne dis pas. Ça commence de façon plus élégante. Je la regarde et je dis, c'est étrange, ses sourcils sont légèrement plus sombres que ses cheveux. Après, je dis, oui, ses cheveux ne sont pas de la même couleur que ses sourcils. Et après, en déduction, je dis, mais de quelle couleur est sa chatte ? Oui, effectivement. Alors, la pièce a été écrite pour vous. En la lisant, vous avez décidé de la mettre en scène. Oui. C'est la deuxième fois que vous faites une mise en scène après T'empêche tout le monde de dormir en 1982. Ouais, mais bon, il y a prescription de celle-là. Non, c'est vachement bien. Je conseille à tout le monde d'aller la voir. Qu'est-ce que je peux faire de plus ? Non, mais ça va aller. Tout se passe bien, vraiment. Merci. Oui, j'ai vu les gens à la fin. Alors, ensuite, il y a deux films à venir.
Donc il y a Les Naufragés le 17 février. Oui, c'est une comédie familiale comme ça, de deux types qui font naufrage sur une île déserte, ils vont crever sans s'apercevoir que derrière il y a un hôtel 5 étoiles. Voilà, voilà, donc c'est... C'est pas mal. Oui, oui. Et puis il y a Au nom de ma fille, alors là c'est autre chose, oui. C'est le 16 mars, oui. C'est l'histoire de Bamberski, oui. Le mec qui a... Qui a passé sa vie à essayer de faire condamner l'assassin présumé de sa fille. C'est pas une histoire de vengeance. Je me dis que ce type a passé 30 ans pour faire en sorte que sa fille soit toujours vivante. Je pense que c'est un de mes plus beaux rôles au cinéma. Ouais, je pense. On l'a reçu ici, Bamberski, c'est un ouais. Personnage ah oui, vous l'avez incroyable. Daniel, ouais. Vous dites, le temps glisse de plus en plus vite. Dites, la vie, ça dure 5 minutes, on se retourne et c'est déjà fini. C'est un truc qui passe très vite, surtout quand on a la chance qu'elle soit comme une opérette aussi joyeuse et gaie, quoi, voilà, malgré les... Comme les opérettes que chantaient vos parents. Ah, voilà, c'est ça. Vous dites, je comprends ce que voulait dire mon père quand il disait « profite, profite ». Oui, il me disait, je comprenais pas, il disait « profite, mon fils, profite ». Mais je profitais déjà tellement. Ouais. Mais de quoi, papa, de quoi, quoi. Il avait raison, quoi. C'est jamais assez. Vous dites aujourd'hui, je veux vivre en état d'urgence. Maintenant, les années comptent triple. Oui, j'ai la chance d'avoir pu décrocher un autre tour, un ultime tour de manège magnifique avec cette jeune femme, avec ce jeune enfant. J'ai vécu très heureux avec mes autres enfants et c'est quelque chose de rare. Oui, oui, je profite, c'est ma priorité. Oui. Vous dites, quand je me vois dans la glace avec mes rides et mes cheveux gris, je dis bonjour monsieur, mais dans ma tête, j'ai toujours l'impression d'avoir 20 ans. C'est vrai, vous verrez. C'est ça qui est terrible. Oui, oui, c'est terrible. Oui, oui, c'est. Mais bon, en même temps, j'ai pas 85 ans, hein, je veux dire non plus. Et puis, il y a Aude. So happy together. Et oui, 12 ans avec Aude. 12 ans, à faire semblant de savoir utiliser un iPhone. 12 ans à rentrer le ventre, faut bien le dire. C'est difficile. Hein. Oui, c'est difficile. C'est surtout tous ces trucs modernes, ouais. ces boutons. Oui. Effectivement, ça, c'est utile. Ouais. Alors, vous avez déclaré dans Gala, l'amour, c'est tellement beau. J'ai dit ça ? Putain, je me suis crevé, là. Non. J'ai dit ça ? Vous avez dit j'étais ça. J'étais inspiré, alors. Je vais vous dire, quand on est capable de trouver normal, de dire une phrase aussi con que « l'amour, c'est tellement beau », c'est qu'on est vraiment amoureux. Oui, j'ai dit ça, c'est tout. J'ai... Ouais. Ben, j'assume. C'est bien. Ah ouais, j'assume. Ouais, oui, j'assume. Assumer. Franchement, je m'en fous. Je pourrais dire la même chose. Oui, qu'est-ce qu'il y a de mieux ? À part l'argent. Voilà, c'était la fin de SNP. On se retrouve sur Terre après la fin. À tous. Bonsoir les Terriens, bonsoir les Terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Daniel Auteuil, de Pascal de la Tour du Pin, de Lionel Sebambi. Alors Daniel, il y a un truc que les gens ne savent pas en fait, c'est qu'on s'est connus adolescents à Avignon. Oui, nous nous sommes croisés dans la rue de l'Oriflamme. On y entoure. Allez, on y va. Allez, on y va. Il fait chaud. Oh putain. Ah, il fait chaud. On n'est pas bien là. Ah là, on est très bien. Il fait un peu chaud. Heureusement qu'on est à l'ombre. Hein? Tu entends les cigares? Ah oui, oui. Elle fait un bruit assourdissant. Elle me fatigue. Ouais. Et le bruit de l'eau, tu l'entends le bruit? Oh là là, oui, ça me tape dans la tête.
et le bruit de l'eau qui coule dans le pastis. Tu vois, ah, celui-là, il me réveille. Ah, c'est le plus beau. Ouais. Et ça fait plaisir de te voir. Tu sais. C'est bien parce qu'on n'est pas dans les clichés. Donc c'est bon. Qu'est-ce que tu aimes quand tu reviens ? La lumière. J'aime la lumière et les souvenirs qui remontent à l'appel, bien entendu. Mais la lumière est quelque chose de quelqu'un qui fut. Dis-moi. Dis-moi, Daniel. Dis-moi. Tu as connu beaucoup de femmes dans ta vie ? Eh, je dois dire... Attends, j'allume ma pipe. Quelques-unes. Quelques-unes, mais tu sais, avec le temps, on oublie. Au fait... Aujourd'hui, tu as une pitchoune ? Eh oui, j'ai cette chasse, oui. Oui, qui a de belles hanches bien rondes et qui m'a fait un bel enfant. Ah, ouais. C'est qui cette petite ? Cette petite, elle s'appelle Aude. Elle est jeune, hein ? Elle est pas vieille. Mais dis donc. Mais elle a l'âge légal, hein, pour pas aller en prison. Hein. Tu as la santé ou quoi ? Ah, ça oui, quand même, oui. Il vaut mieux, hein. Mais le petit, là. Ah, le petit, c'est un amour. Il t'appelle papa ou papé ? Et il m'appelle mon vieux. Ah ouais. Il est... C'est vrai. C'est qui est vrai. Tu crois qu'on se rappellera quoi de toi ? Moi, je crois qu'on se rappellera des sous-doués. Pendant une vingtaine d'années, on se rappellera aussi un peu de Jean de Florette et que j'étais un gars plutôt sympathique, qu'on aimait bien. Oh, on l'aimait bien, lui. Ah, il est mort ? Ah bon ? Ouais. Bon. Justement, le jour où tu t'escagasseras, qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi ? C'est pas prévu. Je peux pas parler de ça. Il est fou. Il y a des trucs de fiction. Je veux dire. Mais parler de ma mort, je peux mourir ça là te tout de suite. Ça fait peur. Ah oui, malheureux. Oui, ah ouais. Non, bah, en même temps, ça peut la faire partir, mais pendant combien, on ne sait pas. C'est dans le truc qui me met mal à l'aise. Tu es riche aujourd'hui ? Tu as des sous ? J'ai des sous. Non, je ça va. Je ne veux pas me plaindre, ça va. Mais tu n'es pas riche, riche. Ah non, si j'étais riche, riche, je ne serais pas là. Ah ouais. Et tu joues toujours au théâtre le soir ? Ah oui, ça m'arrive. Oui, bien sûr, oui. Je joue toujours au théâtre. En fait, c'est le quand t'aimes quand t'applaudisses, toi. Ah, j'aime ça. Ça te plaît, les applaudissements. Ouais. Maintenant, Pascal de la Tour du Pin, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, vous présentez avec Christophe Delay, première édition, la matinale de BFM TV, plus le vendredi soir, l'histoire en direct. Et vous êtes la première comtesse à présenter le journal télévisé. Eh oui. Vous êtes la comtesse des matinales. C'est déjà ça. Ça a été le carrosse sur le périph', ouais. Ça a été difficile, ouais. Ça prend du temps. Alors l'histoire est magnifique. En fait, vous appelez Pascal Gaillard. C'est vrai. Vous étiez employée comme femme de ménage par la duchesse de la Tour Chambly de la Charse. Et un jour, la duchesse donne un grand bal dans son château. Là, des souris vous habillent. Elles vous habillent, ces souris, en princesse. Et vous séduisez le comte, le fils de la duchesse. À minuit, vous vous dépêchez de rentrer chez vous avant que le carrosse ne se transforme en citrouille. Heureusement, vous oubliez votre soulier. Et c'est comme ça que le comte vous retrouve et vous épouse. Bravo. Non. En fait, votre père est bâtonnier, le bâtonnier Pierre Gaillard, mesdames, messieurs, voilà, bon. Et votre mère, Isabelle, est juriste et elle s'occupait d'un théâtre. Donc, vous êtes bien enseigné, oui. Ah oui, moi, je sais tout. Il faut se méfier avec moi, je sais tout. Alors voilà, comtesse Pascal de la Tour du Pin, Chambly, de la Charse. C'est pas juste le nom, il y a l'adresse dedans. C'est bien comme ça, on me retrouve facilement. Voilà. Alors le plus dingue, c'est que l'ancêtre de votre mari, Albert II, sire de la Tour du Pin, a participé à la troisième croisade contre les musulmans. Ah ouais.
Ah, ah. Eh ben, on y va. Je me disais bien qu'il y avait un petit truc qui allait pas. Mais est-ce que quand vous partez de chez vous, il vous met une ceinture de chasteté, le vôtre? Mais bien sûr, et puis une couronne sur la tête, d'accord, pour arriver, vous voyez, d'accord, ça passe mieux. Et alors, la gueule de votre mari a été guillotinée pendant la Révolution française. Ce sont des choses qui sont arrivées, oui. Votre mec, il fait la gueule le 14 juillet, quoi. Alors, j'ai remarqué quand même qu'à BFM TV, c'est incroyable, il y avait Apolline de Malherbe, Margot de Frouville, Karine de Ménonville. C'est Stéphane Bern de DRH, oui, ou quoi? Oui, c'est ça, non. Non, c'est un hasard. Je crois vraiment que c'est un hasard. Il n'y a pas dingue. De recrutement, oui. Il y a de la noblesse, hein. C'est vrai. Comme M6, un peu, oui. Alors, vous animez donc la matinale de BFM TV avec Christophe Delay entre 6h et 8h30, c'est-à-dire que vous levez à 1h30 tous les jours. Tous les jours. Il faut le savoir. Oh. Et vous faites un score incroyable sur la tranche des Français en pyjama qui ont la tête dans le cul. Alors, vous êtes... C'est vrai, non? Vous êtes pas loin, sérieusement, sur les 15-49, vous êtes pas loin de France 2, hein? Oui, effectivement, on fait 3 millions cumulés quand même le matin, deuxième chaîne de France. Donc c'est une belle aventure. Ah, vous avez une voix formidable. C'est combien de paquets de clubs par jour? Autant que vous. Hein. Ah, comme moi. D'accord, c'est beaucoup. Hein. C'est un défaut. Christophe Delay, c'est marrant, vous le tutoyez, alors que vous voyez Monsieur le Comte, j'imagine. Oui, bien sûr, nous voyons, c'est sûr. C'est plus simple. Oui, on se tutoie à l'antenne, on est assez naturel. Vous êtes bien tous les deux. Voilà, ouais, ça fonctionne naturel. Très bien, vraiment. Oui. Oui, on s'entend vraiment, on vous bien. Aime bien. Alors. Sympa. La matinale de BFM TV, c'est très cool, hein. Faut voir. Hein. Ils se font maquiller en plateau, par exemple. C'est, oui, alors, c'est pas comme ailleurs. C'est pas comme les autres chaînes. Hein. Non, ça a raté, ça, effectivement. Et alors, ce qui est cool aussi chez BFM TV, c'est les bandeaux de bas d'écran. Alors là, c'est extraordinaire, voilà. Christiane, oui, présidente des États-Unis. Il y a le train aussi. Des trains qui vont à 1200 km par seconde. Ça, ouais. C'est quand même... Ouais. C'est quand même... Ça. J'aime cette chaîne parce que t'as pas besoin de fumer de pétard, en fait. C'est déjà surréaliste. Il y a le survivant du PS aussi. Comment ça se fait, ça? C'est-à-dire, ils sont pas réveillés, les gens? Non. Je sais pas. Ce sont des effectivement, le scroll qui est derrière et qui tape ses bandeaux. Parfois, ça peut être des erreurs informatiques aussi. Marquez, alors je vais dire à votre décharge que c'est pareil sur iTélé et sur LCI. Hein, merci. Mais il y a mieux, enfin, pire. 4 heures de déplacement. Je peux même faire la danseuse. Oh là là, mais quel talent, tiens. Quel talent. Je pense que Christophe a un avenir au cirque. Service 2. Waouh. Elle est pas bonne, elle est sortie, elle est non, sortie, elle est pas monsieur sortie, c'est pas vrai. Elle est sortie. Attention, je monte au filet. Et voilà, j'ai gagné. C'est une nouvelle tendance, parce que... Oui, c'est vrai, à Londres, ça cartonne. Allez danser, en boîte, avant de travailler. Avant d'aller travailler. On est plus productif. Je vous félicite, parce que le coup de la boîte de nuit sur le plateau de la matinale, franchement, c'est bien. Non, c'est vrai. Dans le genre, moi, j'ai fait plein de conneries, celle-là, je la trouve bien. Merci. Alors, on a beaucoup critiqué BFM TV pour la couverture des attentats contre Charlie Hebdo, la prise d'otages des frères Kouachi, l'attaque du musée du Bardo à Tunis. Mais finalement, une chaîne d'info qui se comporterait bien, ça donnerait le journal de 20h, donc ça ne serait pas intéressant. Non, on a commis des erreurs, mais on les a reconnues quand même, les erreurs, effectivement. J'ai vu. Ouais. Il y a eu des erreurs qui ont été commises. Effectivement, c'est 20 secondes sur des heures et des heures d'antenne. Et puis, on a été extrêmement vigilants, parce que dans la dernière séquence, malheureusement, que nous avons vécue lors des attentats du 13 novembre, nous avons été extrêmement vigilants de rapporter les faits. Si vous voulez, on avait vraiment cette épée de Damoclès sur la tête. Il était hors de question de répéter une telle erreur. J'ai remarqué que vous avez découvert le conditionnel. Alors, on essaie... Alors, le conditionnel, on essaie surtout de rapporter les faits, c'est-à-dire d'éviter de spéculer sur les événements qui se passent, notamment sur l'assaut de Saint-Denis. On est resté très, très factuel. J'ai vu. Non, ce qui est marrant sur les chaînes d'info, c'est qu'il y a un mec, il dit « Allô ?» Qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'en sais rien. Et encore maintenant, il y a des images, mais je me souviens, c'est d'un événement dramatique, il y a la première guerre du Golfe, il n'y avait aucune image. Et les mecs parlaient toute la nuit. Guillaume Durand. Ils parlaient toute la nuit pour ne rien dire et sans rien voir. Alors c'est vrai, il faut savoir aussi que la personne qui vient sur BFM TV, elle ne reste pas 2 heures à nous regarder. Il n'y a pas que moi qui regarde ça. Comme chez vous. Moi, je regarde, c'est moi, vrai. Des heures. Oui. Des aussi. Heures, c'est vrai. Oui. Bah nous, ça nous donne l'heure. Parce qu'on se réveille tôt. Voilà. Alors on va voir si vous aimez vraiment Jean-Philippe, oui. Le comte de la Tour du Pin, Chambly de la Chasse, évidemment. On va faire une interview par amour. Oh là là.
Est-ce que par amour, vous seriez prête à arrêter la télé? Ah, je suis pas sûre, parce que la personne qui m'aime ne me demandera pas d'arrêter la télé, parce que c'est ma passion. Est-ce que par amour, pourriez-vous convertir à une autre religion? Je vous laisse ma carte. La question s'est pas posée. Est-ce que par amour, vous pourriez avoir recours à la chirurgie esthétique? La chirurgie esthétique? Alors le mec qui me demande de faire la chirurgie, il dégage tout de suite, je vous le dis. Est-ce que par amour, vous seriez prête à arrêter de fumer? La question a été posée, c'est vrai. Il fume, Jean-Philippe? Non, il fumait. Il fume c'est plus. Pas bien. Hein, ouais. Il s'est arrêté. Ouais, il s'est arrêté. Et pas vous. C'est un gros défaut, ça. Ouais. C'est un gros plaisir aussi. Ouais, tiens. Malheureusement, ouais. Tiens, s'il commettait un crime, Jean-Philippe, imaginons qu'il commettait un crime, vous seriez prête à lui fournir un alibi, à vous dénoncer à sa place ou à attendre 20 ans qu'il sorte de prison? Lui fournir un alibi, peut-être? Ouais, 20 ans, c'est long. Ouais, c'est long quand même. Hein. Ouais. C'est comme les croisades, les mecs partaient. Alors, vous apprenez que vous avez une rivale. Oui. Il vous le dit un soir, Jean-Philippe, en larmes. Mmh. Est-ce que vous seriez capable de partager, de pardonner ou de tuer? De pardonner. Ah. Ouais, je crois que je pardonnais, ouais. Oui. Oh. Ça va lui donner des idées. C'est pas vrai, Jean-Philippe. Est-ce que vous seriez prête à accepter qu'il ait une maîtresse? Non, je crois pas. Non. Ouais, mais attendez. Hein. Je veux bien pardonner, mais il y a des limites à tout, non? Donc, est-ce que vous seriez prête à aller tous les soirs dans des clubs échangistes avec lui s'il vous le demandait? Non, écoutez, ça, je crois pas. Je me lève à 1h30. Qu'est-ce que vous voulez, le club échangiste? C'est vrai. C'est l'heure où ça commence. Alors, dernière question, et non la moindre. Est-ce que vous seriez prête Vous avez fini de vous. À devenir son esclave sexuel? L'esclave sexuel. Très bonne question. Vraiment, non, sa chose. Hein. Non, j'ai pas trop une mentalité d'esclave. Non, c'est pas. Ah bon, non, mais c'est un jeu amoureux. Oui, c'est un jeu amoureux. Oui, c'est un petit jeu, c'est sympa. 50 ans, c'est sympa. Ça dure pas longtemps. Non, je crois pas, non. Pauvre Jean-Philippe. Et maintenant, mesdames, messieurs, un arabe et un juif, ensemble, sur scène, c'est Younes et Bambi. Younes et Bambi, rebonsoir. Bonsoir. C'est marrant, quand je dis Younes et Bambi, j'ai l'impression qu'on va parler du mariage gay. Excusez-moi. Mais... C'est ce qui nous dit beaucoup. Hein. Mais pas du tout. Bien sûr, Philippe Catherine. Philippe Catherine. On le mettait dans le spectacle. Elle est bien, ça. Ouais. Arabe. Ensemble. Ah, ensemble, je me rappelle ça. C'est un début. Ah. Arabe. Juif. Ah. Arabe. Alors, après Foutit et Chocolat, Laurel et Hardy, Omar et Fred, Eric et Ramzy, Cadéo, Élie et Dieudonné, et Jackie et Michel, voici le nouveau duo comique qui monte. Younes et Bambi, mesdames, messieurs, ils sont formidables. Ils auraient pu s'appeler les frères ennemis, mais c'était déjà pris. Alors, vous montez ensemble sur scène pour dénoncer les préjugés islamophobes et antisémites. Vous saluez le public en disant « Shalom alikoum ». Est-ce que vous dites aussi « Yallah Akbar » ? Pour une vanne comme ça, je peux mourir, vous croyez? Non, pas encore. Alors Bambi, quand vous entendez Allah est grand, vous dites quoi? C'est pas grave, on va lui trouver sa taille. C'est vrai. Alors pour l'affiche, paraît que ça n'a pas été facile. Non. Il voulait toute la place. Je lui ai laissé 30%. Il vous a acheté des cailloux? Non. Non, jamais. Et sur la loge là-haut, vous êtes mis d'accord tout de... Il a 4 loges, j'en ai une. Ça change pas quoi. Ah, comme d'habitude. Alors Younes Arbouja, vous êtes né le 29 mars 1987 à Châteauroux, comme Michel Denisot et Gérard Depardieu. Voilà, c'est bien ça. Ce qui n'est pas rien. Vous avez grandi là-bas. J'ai grandi à Châteauroux, voilà. Votre père était ouvrier, votre mère femme au foyer. Vous avez commencé le théâtre à 16 ans. Ouais. Et à 20 ans, vous montez à Paris. Voilà. Vous êtes surveillant dans un lycée. Ouais. C'est dingue qu'on vous donne des élèves à garder quand même. Hein. Bah, moi aussi, déjà, j'arrivais même pas à me gérer moi-même. Donc ouais, c'est ça. Ouais. Bambi, alors au départ, je croyais que Bambi... C'était une version courte de Bambisberg. Ouais. Ah. Pas Bambisberg. Du tout. Votre nom, c'est Samuel Dian. Ouais.
Et Bambi, c'est en hommage à Michael Jackson, c'est ça, hein? Exactement. Vous êtes pédophile. Un petit peu. Futur pédophile. Un petit peu pédophile. Alors, dans chaque interview, vous donnez une version différente de votre rencontre. Qu'est-ce que vous avez dans vos fiches? J'ai le yoga, la piscine, la scène et la tôle, non? Non, on s'est rencontrés dans une brocante. Une brocante. Ah, c'est ça, voilà. À Châteauroux. À Châteauroux. Précisément à Montgivray. Moi, je pensais que vous étiez connu en faisant une partie de frisbee avec une kippa. Ça commence comme ça, Thierry, ça finit mal. Je sais. Thierry. Ensuite, vous avez été repéré par Jamel. Ouais. Vous avez fait Jamel Comedy Club. Voilà. On y est toujours d'ailleurs. Ah ouais, ça c'est bien. Bravo. Bah, c'est le meilleur centre de formation pour des humoristes. On est d'accord. C'est lui qui a cru en nous en premier. Donc, voilà. On le remercie. Alors, sur scène, vous parlez de tout. Le conflit israélo-palestinien, le 11 septembre, la Shoah, les quenelles. Alors, celle que j'adore, c'est. On peut faire des blagues sur les juifs? Non, c'est de l'antisémitisme. Et sur les musulmans? Ah ben ça, c'est de la liberté d'expression. J'adore cette blague. Bah, malheureusement, c'est un peu vrai. Une grande partie de la population le ressent comme ça, quoi. Ouais. Le ressent comme ça. Ouais. On a l'impression que c'est plus facile de taper sur une certaine catégorie de personnes. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a fait cette vanne. Vous ne serez pas étonné qu'on vous fasse une interview, l'arabe ou le juif. Qui est le chef, l'arabe ou le juif? Bah bien évidemment, dans un duo, c'est pas possible qu'il y ait de chef. C'est impossible. C'est vrai que... Excuse-moi, c'est moi qui parle. Je peux pas y avoir de chef. Qui est le plus intelligent, l'arabe ou le juif? Rien qu'historiquement, on a des cerveaux chez nous. Einstein, Freud, Marx, enfin... Ah, mais attends, ça c'est des juifs d'Europe de l'Est, c'est des Ashkénazes. Ouais. Toi, t'es un juif du Maghreb, t'es un séfarade. En gros, les Ashkénazes ont Einstein et vous avez Enrico Macias. C'est un peu les Roumains des juifs, quoi. Ah ouais, c'est... Pas forcément. Qui a le plus de problèmes avec sa communauté après s'être lancé dans ce spectacle? Dans chaque communauté, je sais que dans ma communauté, il y a des cons. Et voilà. Dans la mienne aussi, il y a des cons. Ouais. Enfin, il y en a un peu plus aussi. Que chez... Qui se fait un peu plus exploiter, l'arabe ou le juif? Vu qu'on est produit par Jamel... C'est l'arabe et le juif. Voilà. C'est important de le préciser. Qui a eu l'idée du spectacle, l'arabe? L'ONU. L'ONU. Ah, c'est l'ONU. D'ailleurs, on embrasse Ban Ki-moon. Ouais. Il nous entend, Ban. Il fait nos premières parties. Younes et Bambi, merci d'avoir été avec nous. Voilà, c'était la P2 de SLT. On se retrouve après la pub avec nos amis Guillon et notre terrien du samedi 20h. Une surprise pour Damien Lattel. Bonsoir les terriens, nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Daniel Auteuil, de Pascal de la Tour du Pin, et nous accueillons notre terrien du samedi 20h, Pascal Duquesne, accompagné de sa mère, Huguette. T'as des cheveux blancs? T'as des cheveux blancs? Dis donc, il a pris des... Asseyez-vous. Bonsoir. Bonsoir. Huguette, bonsoir. Pascal, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, il y a tout juste 20 ans, Daniel, votre tandem avec Pascal, le 8e jour, faisait chavirer le cœur des Français. Un film pour lequel vous avez décroché tous les deux le prix d'interprétation au Festival de Cannes. Ce soir, je vous propose de rembobiner votre incroyable histoire. Voilà, dans un instant, Stéphane Guillon, mais d'abord, le zapping. C'était le zapping jusqu'ici. Tout allait bien, mais voici Stéphane Guillon. Ouais.
On commence avec une bonne nouvelle. Alain Finkielkraut reçu en séance solennelle à l'Académie française. Pour l'occasion, les immortels ont remis au philosophe son habit vert et son épée. Remettre une épée à Finkielkraut, c'est pas très prudent. Je tiens avant tout à remercier mes pères, les 39 immortels de l'Académie française, pour la confiance et l'honneur qu'ils me font. Grâce à cette épée, cette rapière, je n'aurai de cesse de défendre la langue de Molière, de ferrailler, transpercer, porter l'estocade, oxyre, rosser quiconque maltraitera l'orthographe, brutalisera le verbe et rudoiera la grammaire. Taisez-vous ! Ouais. Pareil que c'était une boucherie. Hein. 12 académiciens. Le livre de Nicolas Sarkozy continue à caracoler en tête des ventes. C'est fou, hein, c'est fou. Le simple fait qu'ils nous disent « j'ai merdé, je me suis trompé », ça nous surprend tellement qu'on l'achète pour vérifier. On y croit pas, quoi. Quel dommage qu'il ait pas été chez Laurent Ruquier. Léa Salamé critiquant le livre de Sarkozy, ça aurait été un grand moment. Je suis partagé, Nicolas Sarkozy, je suis partagé, je vous le dis, je suis partagé. Vous publiez chez Plon La France pour la vie, 300 pages de confession, d'autocritique. On vous sent sincère, vous ne vous épargnez pas, le casse-toi pauvre con, vous regrettez, le yacht de Bolloré, vous n'auriez pas dû y aller, j'ai abaissé la fonction présidentielle, dites-vous, c'est un mea culpa, vous battez votre culpe. C'est un livre qu'on ne lâche pas, c'est un soupe, je l'avoue, j'ai été prise, c'est vous qui l'avez écrit, on reconnaît votre style, il manque parfois des mots, ou alors ils sont à l'envers, je vous cite Nicolas Sarkozy, la souffrance c'est quelque chose que je suis sensible, on vous entend parler, c'est la réussite principale de... J'ai un bémol, Nicolas Sarkozy, j'ai un bémol, est-ce que ce livre n'est pas une fois de plus un plan de com', est-ce que, et ce sera ma question Nicolas Sarkozy, est-ce que ce livre n'est pas un chant du signe, votre dernière cartouche, répondez-moi sincèrement Nicolas, on vous sent douter, est-ce que vous doutez Nicolas Sarkozy? Je me demande qu'est-ce qui est le plus fatigant, Finkielkraut ou... Léa Salamé. C'est Léa Salamé. Faut pas qu'ils fassent un enfant tous les deux. On passe au reste de l'actualité. Contrairement à ce qui a été dit, les terroristes du Bataclan n'étaient pas drogués au moment des faits. Bonne nouvelle, si la brigade anti-terrorisme n'a rien vu venir, au moins les stupes ont fait leur boulot. Sport. À 8 mois des Jeux Olympiques de Rio, le virus Zika, transmis par les piqûres de moustiques, inquiète le Brésil. C'est la première fois dans l'histoire des JO qu'une piqûre pourrait handicaper un athlète. Bravo. Showbiz, Julien Lepers va bientôt monter sur scène. Eh ben voilà, voilà, voilà. On vire quelqu'un qui faisait de mal à personne. 28 ans qu'il animait Question pour un champion, on était tranquille et maintenant il se venge, il monte sur scène, tant pis pour nous. Voilà. Paris Match consacre 4 pages à l'ancien ministre du budget Jérôme Cahuzac, jugé la semaine prochaine pour fraude fiscale et blanchiment. Un reportage très émouvant sur ce banni de la République, ce proscrit qui tente de survivre en jouant au golf et en nageant le crawl en Corse. L'acteur Jean-Pierre Bacri, toujours sensible à l'injustice, a souhaité réagir. Franchement, ça me débecte, moi. Le,
Tu vois, ce genre de reportage sur les états d'âme de M. Cahuzac, les ouvriers de Goodyear qui ont pris 9 mois ferme juste pour avoir séquestré leur patron, je pense pas qu'ils soignent leur cafard en jouant à la baballe. Ils n'ont même pas de quoi se payer une balle. C'est comme Balkany, qu'un casier judiciaire long comme le bras, qui est toujours député. Ouais, ça me débecte. Voilà, c'est tout, ça me débecte. Après l'Italie qui a fait recouvrir des statues de nus, la France a reçu le président Rohani au petit déjeuner car celui-ci ne voulait pas de bouteille de vin sur la table. Fabrice Luchini a souhaité réagir. Non mais t'imagines la soumission! Là on est au-delà de ce que décrit Houellebecq, on renonce au vin sur la table. Rohani contre Bacchus. Pendant qu'on y est, fallait aussi recouvrir l'Arc de Triomphe. C'est totalement vaginal, l'Arc de Triomphe. Pareil pour l'obélisque. En même temps, tu recouvres l'obélisque, tu fais l'apologie de la capote, c'est pire que tout. La pyramide du Louvre, à la limite, ça passe. Et encore, Rohani, il est tellement tordu, tout d'un coup, il va te dire que c'est un plug anal. Un plug anal qui s'illumine dans la nuit. Satan dans toute sa splendeur. On touche le fond. À la semaine prochaine, Jean-Paul. Merci. C'était Stéphane Dion. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr et sur la scène de Jazé, voilà. Et on passe maintenant à notre terrien du samedi 20h. Huguette et Pascal, rebonsoir. Bonsoir. Alors Pascal, vous êtes né le 8 août 1970 à Villeveurde, à 15 km de Bruxelles, père mécanographe à la Sabena. Vous étiez Huguette institutrice. En fait, on vous appelle Mamie Cacahuète. Oui. Vous adorez les cacahuètes. Absolument. C'est pour ça. Alors à la naissance, ce petit garçon aux yeux bridés, Huguette, vous le baptisez mon petit chinois. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y a pas de diagnostic prénatal. Et 2 mois plus tard, vous tombez des nues lorsque le médecin vous annonce « Madame, votre fils est mongolien. Mm-hmm. » Vous avez pris ça comment, Huguette ? Comme une gifle. Ouais. Ouais. Très dur. En fait, je ne sais pas très bien ce que c'est à l'époque. Non. Ouais. Alors, deuxième coup dur, votre mari ne supporte pas la naissance de Pascal et 2 ans après, il part. Mm-hmm. Mais là, vous relevez la tête. Ouais. Et puis Enrico aussi. C'est vrai qu'Enrico, votre deuxième mari, ouais, s'occupe des enfants comme si c'était ses propres enfants. Ouais. Respect. Mm-hmm. Pour mieux comprendre Pascal, à l'âge de 40 ans, vous décidez, Huguette, de retourner sur les bancs de la faculté, mm-hmm, pour étudier la psychologie. Et pendant ce temps, Enrico, toujours lui, s'occupe des gosses. Ouais. C'est un mec bien. Hein? Chapeau. Ouais, chapeau. Vous captez mieux ses sentiments, dites-vous, après ses études de psychologie. Mm-hmm. Alors, Pascal, à l'époque, vous tombez souvent malade. Hein? Entre, oui, 0 et 10 ans, vous ferez 25 séjours en clinique. Oui. D'abord, il y a l'asthme. Et puis aussi, vous êtes très fragile. C'est-à-dire qu'une piqûre de moustique ou une piqûre de rose, ça peut déclencher chez vous une septicémie. Mm-hmm. Donc, c'est très compliqué, évidemment, pour vous, j'imagine. Mais, Pascal, vous ne vous laissez jamais abattre. Quand vous êtes en clinique, vous dansez sur les tables, vous chantez à tue-tête avec votre tourne-disque et votre micro. Vous voulez être le chouchou. Oh, oui. Vous avez envie de vous exprimer comme ça. Mais oui, je continue comme ça. Ouais. À l'adolescence, vous laissez très libre votre enfant. Vous traversez Bruxelles à vélo pour retrouver votre mère à l'école. Oui, oui. Preniez des risques incroyables, non ? Voilà. Un jour, vous passez sous un camion, quand même. Oui. Vous étiez drôlement inquiète. Très inquiète quand je l'ai appris. Ouais. Parce que je n'y étais pas. Mais tout le monde vous dit, Huguette, t'es folle de lui laisser autant de liberté.
Et vous, vous pensez que c'est bien pour le développement de Pascal que vous lui laissiez faire tout ça? C'était lui qui le voulait. Maman, je ne le ferai plus, je n'aurai plus d'accident, mais je veux faire comme Yves. Comme son grand frère. Ouais. Oui. Alors vous, poussez Pascal vers la natation, vers l'athlétisme, vers la danse, vers la musique, l'équitation, le ski, et même le théâtre. Mm-hmm. Vous faites du théâtre depuis votre plus tendre enfance, hein. Vous avez commencé très jeune, non? Oui, très 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 jeune, oui. 13 ans. Mais à 16 ans, pour la première fois, vous jouez devant 200 spectateurs. Mm-hmm. Ça devient sérieux, là? Oui, oui. Et là? Le destin. Dans la salle, il y a la première épouse de Jaco Van Dormael, réalisateur belge, oscarisé pour un court-métrage. Et vous voilà pris dans le film Toto le héros, qui gagnera une caméra d'or et un César. Mm-hmm. Je veux dire que Jaco Van Dormael, il a toujours eu confiance en vous depuis le début. Hein. Oui. Depuis qu'il a connu. J'ai connu. Ensuite, c'est le huitième jour. Alors là, vous êtes inquiète quand même, quand il est choisi pour le huitième jour, non? Oui. Absolument. Je trouvais le scénario trop difficile pour Pascal. Mais Jaco disait, fais-moi confiance, fais-moi ouais. confiance. Ouais. Et vous, Pascal, vous sentiez bien de le faire? Moi, j'aime bien le faire, ça oui. Vous n'avez jamais eu peur? Peur, jamais. Jaco n'avait pas peur, Pascal n'avait pas peur. Daniel, quand on vous a dit que vous alliez jouer avec Pascal, est-ce que vous avez eu peur? Ah non, j'ai pas eu peur. Et vous parlez du spectacle, je suis allé voir ce spectacle. Et j'ai été sidéré, c'est-à-dire que c'était sur scène, c'était des acteurs géniaux, tous géniaux. Lui se détachait, il avait quelque chose en plus. Au moment du salut, j'avais l'impression que c'était Johnny Hallyday qui venait saluer, il se prenait un pied mortel à venir, il était là à s'éclater. Et ensuite, quand je suis allé dans la loge, j'avais l'impression d'entrer dans une loge d'acteurs à part entière, où chacun disait comment j'étais. Oui, c'est un acteur génial. Ouais. Alors, vous vous retrouvez tous les deux sur le plateau du huitième jour. Alors au début, vous regardez un peu. Et ce qui a brisé la glace entre vous, c'est une bataille de boules de neige. Oui, oui, mais ce qui était, quand les journalistes étaient arrivés, on lui demandait, qui c'est ton acteur préféré? Il disait toujours, c'est Gérard Depardieu. Ouais. Sympa. Hein ouais. C'était sympathique. Alors... Ouais, ouais. Et ça le faisait beaucoup rire. La boule de neige. Oui, boule de neige, chez moi, à la maison, ouais. En Belgique. Ouais, ouais. Oui, oui. J'ai eu une maison en Belgique, mais je ne savais pas qu'on pouvait payer ses impôts en Belgique. Le 20 mai 1996, c'est la remise des prix du 49e Festival de Cannes. On regarde. The jury decided to give a joint award from the eighth day to Daniel Auteuil and Pascal Dupuyen. Mesdames et messieurs du jury, merci d'avoir supprimé la différence et d'avoir fait de Pascal un acteur à part entière. Merci à tous. Ça fait pareil, Pascal. Quand on montait les escaliers, les marches, là, on se disait qu'on était champion du monde. Hein, on était champion. Ouais, ouais. Tu m'as dit qu'est-ce qu'on est? Tu m'as dit champion voilà. du monde. Tu ouais. ouais, ouais, mais on a été champion du monde, mon vieux. Qu'est-ce vraiment. Que Huguette, c'est formidable pour vous. Tout ce que vous avez donné à Pascal, comment vous êtes occupé de lui. Et là, vous étiez dans la salle. C'était, oui, tout à fait en haut. Recalé en ouais. haut,
parce que je crois qu'au début, le producteur avait peur. On ne pouvait pas dire qu'il était trisomique avant que ça se passe à Cannes. Ouais. Je crois quand même qu'il y avait une certaine réticence à le dévoiler directement. Parce qu'au fond, c'était la toute, toute première fois qu'un acteur trisomique participe à quelque chose de grandiose. C'est extraordinaire. Et ça restera toujours, extraordinaire. Toujours, la preuve, c'est comme on parle. Non, mais ce que le film de Jaco Van Dormael a changé et qu'il n'y avait pas à l'époque, c'est le regard sur les trisomiques. Mmh. C'est-à-dire que ça a complètement, les mentalités ont évolué. Bien sûr. Après ce film. Alors le film fera 3,8 millions d'entrées, un succès extraordinaire. Pascal, quand vous l'avez vu, vous vous êtes dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai cette histoire? Et vous avez été obligé de lui dire, non, c'est du cinéma. Ben oui. Ça vous a bouleversé de voir le film? Oui. Oui, et il y a des scènes quand il regarde, parce qu'il regarde avec ses copains, encore régulièrement le 8e jour, et il y a des scènes où il est encore toujours ému. Ben oui, ben oui. Moi d'ailleurs aussi. Tellement beau film. Et là, Pascal, vous devenez une star. C'est-à-dire que vous accompagnez le film dans sa tournée mondiale, vous allez au Japon, vous découvrez le saké, vous allez aux USA. Aux USA, tu t'appelles Malibu, la plage de Malibu, alerte à Malibu. On se balade partout dans le monde, comme ça en avion. On va danser la nuit à Chicago, hein, tu t'appelles, dans les boîtes de nuit. Ouais. On a des interviews comme ça avec toute la presse aux États-Unis, à Los Angeles. Il y avait 50 journalistes, et puis il y a un journaliste qui demande, alors Pascal, comment êtes-vous avec les journalistes? Comment? Alors il dit, ben... toi, je t'aime, toi, je t'aime, toi, il cite les 50. Hein. Toi, je t'aime, toi, je t'aime, toi, je t'aime. Mais tous ensemble, non. Et puis, il y a une autre histoire aussi. À Los Angeles, on présente le film, Cité du cinéma, et il y a un journaliste qui... Il y a une scène dans le 8e jour où il vole. Et un journaliste qui lui dit, mais comment avez-vous fait, Pascal, pour voler dans ce film? Il dit, ben, j'ai appris. Alors aujourd'hui, Pascal, vous vivez dans un appartement du centre-ville de Bruxelles, en parfaite autonomie, grâce à l'association 8e jour, qui crée des immeubles adaptés. C'est extraordinaire, c'est vous qui avez fait ça, évidemment. Ouais. Parce qu'en fait, ce qui inquiétait un peu Pascal, c'est dire quand mes parents vont disparaître, quand ma mère va disparaître, qu'est-ce que je vais devenir, je vais aller en foyer, etc. Et grâce à ces appartements de l'association du 8e jour, bah Pascal peut vivre normalement, quoi, tout à fait, d'une façon tout à fait autonome. Et on en a 30 maintenant sur 4 maisons. C'est bien. Et on est occupé à créer une 5e maison maintenant pour ceux qui vieilliront. Vous êtes une femme extraordinaire. Hein. Ben non, si. Je me bats pour mes enfants. Alors Pascal, aujourd'hui, vous avez 46 ans. Vous continuez le cinéma, le théâtre, la peinture, la gravure. Et vous dites, je ne suis pas handicapé, je suis trisomique. C'est pas la même chose. Voilà. Merci. Alors, maintenant, je vais vous expliquer un truc. À partir du 5 avril prochain, la France va passer à la TNT haute définition. Alors, si vous êtes équipé d'une box ou de la fibre, vous ne changez rien. Écoutez-moi bien. Mais si vous recevez la télé par une antenne râteau, faites le test. Vous allez sur la chaîne 7 ou la chaîne 57, et si le logo Arte HD apparaît, c'est que vous êtes bien équipé. Parce que si vous n'êtes pas équipé, vous allez avoir un écran noir. Et il faut acheter un adaptateur qui s'appelle TNT HD. Alors, vous aurez toutes les infos sur l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran, mais faites gaffe, parce que d'un coup, plus de télé, écran noir. Ah oui, je vous préviens. C'est vrai. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi, avec Daniel Auteuil, avec Pascal de la Tour du Pin, avec Younes et Bambi, et Pascal Duquel et Huguette, Mami Cacahuète. Merci à tous ceux.
aimerait bien faire cette émission. Rendez-vous ici la semaine prochaine à 19h10. D'ici là, sur canalplus.fr. Salut les terres. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.